j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien. C'est vrai, ça fait 100 ans que j'ai plus fait de vidéos, franchement je fais plus de vidéos. Là je suis en train de regarder mes youtubeurs préférés, mais c'est même plus des youtubeurs. C'est plus des youtubeurs, c'est des grands stars, regardez. C'est des bons youtubeurs, donc voilà. Bon, enfin, ça explique pas tout. Bon, on se retrouve pour le début de ma vidéo tacos, on va faire une vidéo tacos maison aujourd'hui. Vous avez vu le titre, et oui, une vidéo taco, ça fait pas de mal, ça fait longtemps que j'en ai plus fait. Et puis cette année 2023, je n'ai même pas fait une. Sérieusement, il faut quand même que je me remette, c'est vrai. Il y en a plusieurs amis qui m'ont dit de faire des vidéos tacos. Bon, j'ai dit oui, mais je ne l'ai pas fait. Donc je fais dédicace à tous ceux qui se reconnaissent. Enfin, je ne me rappelle plus les noms. Bon, je noterai les noms ici, peut-être dans l'écran, ceux qui m'ont demandé. Des dédicaces. Voilà, comme vous avez vu, c'est une vidéo dégustation, pas comme les autres, puisque c'est tacos maison, évidemment. Là, il faut, au lieu d'aller acheter chez le tacos du coin, là, qui va mettre 10 ans pour la faire et qui va la faire peut-être à l'arrache, je ne sais pas ce qu'il met dedans. Donc aujourd'hui, voilà, je vous laisse d'abord découvrir comment j'ai fait le tacos, puisque j'ai quand même galéré. Hein. Je vous le laisse découvrir en musique. J'ai galéré, franchement j'ai galéré. J'en ai fait deux, un pour aujourd'hui et un pour demain, évidemment. Comme ça, le goût, si je pense qu'il va passer, ça va être super bon. Donc, et demain, je mangerai la suite de mon tacos. Et je referai cette vidéo une autre fois, une autre vidéo tacos maison. Parce que là, c'est maison, là. Tout ce que vous voyez là, c'est maison. Vous avez bien vu, regardez, il y a même l'eau là. C'est de l'eau avec de la grenadine à la fraise, évidemment, à la fraise. C'est la qualité, attention. Là, tout est maison, là. Il n'y a pas de... J'ai acheté, machin, non, tout est maison. Même les frites, c'est maison. Hein. C'est des frites là, c'est des frites de qualité, maison. Bon, il n'y a rien à dire, d'ailleurs, j'écoute. Très bon, franchement, elles sont très bonnes les frites. Bon, alors je vous laisse regarder vite fait la vidéo, comment j'ai galéré en musique, comment j'ai galéré à faire mon tacos, et on se retrouve pour la dégustation. Up until
voilà, j'ai fini mon tacos. Comme vous avez vu la vidéo, franchement, c'était quand même compliqué de faire le tacos. Je vous mets ce que j'ai mis en vidéo. Ça serait marqué juste ici, au coin de la vidéo, ce que j'ai mis dans mon tacos, voilà. On va pas revenir au détail de ce que j'ai mis. J'ai mis sauce fromagère et tout ça, etc. et tout. Mais je vous mets tout ici, tout ce que j'ai mis dans mon tacos. Bon, maintenant, pour commencer ce tacos, bon, quand même, je suis heureux quand même. Regardez, c'est un tacos de qualité, rien à dire. Je vous laisse regarder ça. Ce qui est bien, c'est que c'est pas un tacos que j'ai acheté, je vous répète, dans le coin. Hein. Je ne l'ai pas acheté à Chamas Tacos, tout ça, tous ces trucs-là. Non, je n'ai pas acheté là. Là, je l'ai fait maison, là, c'est moi. C'est ma propre sueur. Ah, mais ça fait plaisir quand même. Vous allez dire, oui, certes, il n'est pas comme celui-là des Chamas Tacos, des Otacos, tout ça, tout ce que j'ai acheté, tout ça. Là, c'est le mien, c'est normal, ça vient de ma force. C'est ma sueur. Je vous laisse regarder, c'est vrai que la forme, elle est vraiment, elle est pas terrible, c'est vrai que c'est pas trop terrible, c'est vrai, franchement. Il faut que je fasse la miniature, parce que moi je rigole. Voilà, la miniature, bon, j'ai fait une miniature vite fait, hein. Je sais même pas si c'est celle-là que je vais faire de miniature, ou la miniature quand je parle et tout, c'est peut-être plus évident. Bon, alors, je vous laisse regarder quand même, je vous le regarde au moins 1000 fois, parce que c'est quand même un tacos. Bah, vous allez dire oui, vous avez bien vu que j'ai galéré, ça c'est la galère ça. Il faut galérer, il faut souffrir pour être fort et beau, etc. Comme on dit, il faut même souffrir pour manger de la bonne qualité. Pour moi c'est la qualité hein, quand même, regardez. Je vous le montre bien. Je sais pas s'il y a le flou, il doit avoir le flou là qui cache un peu, regardez. Voilà, regardez. Regardez, il est plat, il est petit, ça c'est un taille M, hein, ça on va. On va dire c'est un taille M. Bon, maintenant on va le déguster puisque vraiment, je parle vraiment trop. Ça c'est vrai, je parle trop. Bon, moi, après il y a mes sauces, hein. J'ai oublié de vous dire, il y a mes sauces ketchup. Bon, vous connaissez le ketchup. Et ça c'est la sauce sauce samouraï. Oui, c'est ça. Samouraï, voilà, regardez. Je sais pas, avec le flou, ça voit bien. Sauce samouraï. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien, mais enfin, c'est la sauce samouraï. Bon voilà, je vais déguster. C'est parti, premier croque. J'espère que je ne vais pas tomber par terre, je ne vais pas faire un malaise. Ah, c'est trop bon. Non, regardez. Vous allez me dire, il ne faut pas parler la bouche pleine, mais franchement, comme il est bon. Ça, c'est le tacos. Non, celui-là. Ça, là. C'est M, oui, mais... Je trouve plus les mots. C'est trop beau. Franchement. Vous voyez bien qu'il y a les. Il y a le. Je sais pas si vous voyez bien. Je sais pas si on voit bien avec le flou et tout. Enfin, on voit pas très bien en fait. Hein. Ça c'est sûr qu'on voit pas très bien. Voilà. Vous voyez ce qu'il y a dedans, il y a des escalopes, etc. Et tout. Mais franchement, on voit la sauce et tout, c'est trop bon. Comme c'est bon. Ah, ça fait plaisir de faire un tacos maison et que je l'ai réussi. Ça veut dire qu'en vérité, moi je fais des tacos, je les vends aux gens. Je vais marquer chez moi au tacos et les gens ils viennent, ils vont faire leur tacos et puis c'est bon, je peux le faire ça. Tout le monde peut faire des tacos, hein. Tout le monde, c'est pas que les magasins. C'est pas, enfin, quand je dis les magasins. Il n'y a pas que les snacks qu'il peut faire dans le tacos. Ah, comme il est bon. Je parle trop. Vous avez vu que David Artis, il sait faire des tacos. Il n'y a pas que vous qui savez faire des tacos. Moi aussi, je sais faire des tacos. Il y a quoi? Vous allez faire quoi? Non, mais là, je savoure. En même temps, c'est pas bien de parler en même temps que je mange, ça c'est vrai. On mange pas la bouche pleine, c'est vrai. Je suis dépassé par mes événements. Là, je suis content. Encore, il est petit, hein. S'il était gros, ça c'est bien parce que je le finis. S'il était plus gros, je l'aurais sûrement pas fini. Non, c'est bon là, parce qu'en fait, je passe ma langue entre mes dents et tout, parce que j'en ai partout et tout.
en haut, en bas. Mais franchement, j'ai même oublié le sopalin là. Là où je parle, j'étais tellement pressé de faire ma vidéo, j'ai oublié le sopalin. Bon, ben, je vais mettre ma petite sauce, quelque chose et tout. Je vais manger mes frites, tranquille, les gars. Bon, je vous dis bon appétit, hein. Moi, je sais pas ce que je peux vous dire de plus. Bon appétit, moi, je me régale. Vous regardez la vidéo. Vous regardez la vidéo. Mais moi, je mange bien avec mes frites. Frites de maison. Elles sont bien chaudes, franchement. Nickel. Et bonne frite. Bonne qualité. Là, ce que je mange, c'est la qualité. Il n'y a rien à dire. C'est mon travail à moi que j'ai fait. C'est pas quelqu'un qui l'a fait pour moi et tout. J'ai pas payé, hein, c'est moins cher. C'est gratuit. Même. Il n'y a pas que c'est moins cher, c'est gratuit même. Je discute, moi, n'importe quoi. Non, regarde. Regarde. Non, mais ça me dépasse. Ah, non, non. Non. Il faut qu'on arrête la vidéo. Là, il faut qu'on arrête la vidéo. Là, il faut me laisser savourer. Là, on va arrêter la vidéo. Là, c'est fini. Non, là, j'ai réussi mon tacos. J'en ai de partout. C'est fini. On se retrouve pour la prochaine vidéo tacos, les amis. Franchement, là, non, mais... Ah, non.